Voilà. Là, absorbé. Je peux en mettre plus. Je vais vous montrer avec plus. Il n'y a rien dessous. Voilà. Et je vais vous montrer avec plus quand je suis vraiment fuite urinaire, règles abondantes. Ça va s'adapter à toutes, vraiment toutes les situations. Je la fais rentrer un petit peu avec ma main. Moins 55%. Si tu souhaites tester les culottes menstruelles, franchement, c'est l'occasion. Parce que quand tu commences, c'est dur après de revenir dans l'autre sens. Et voilà, moins 55% si tu veux en découvrir. Si tu veux t'en racheter, ça peut être l'occasion. Donc là, j'ai envoyé pas mal d'eau. Et on regarde dessous. Vous allez voir, jamais de fuite, pas de problème. En sécheresse toute la journée, confortable, rassuré. Pas de crainte au niveau des finitions sur la dentelle, ils ont des jolis soies, ils ont de la couleur du 36 au 54. Vous avez même les petits boxers comme ça. N'hésitez pas, les girls. Là, c'est parti. Moins 55% chez Blinks. Un euro reversé pour chaque commande à une association, vraiment pour la journée de la femme, là, avec mon code Richie55. Ton meilleur allié, si tu souhaites reprendre des petites nouveautés, tester. Moins 55%, t'es sur des très grosses offres. Beaucoup de très bons avis hein, pour Blinks. Ils ont plus leur preuve à faire. T'as également les petits strings comme ça, forts, abondants. Tout est assez clair, assez simple, assez facile, assez fluide. Pour vraiment être en sécurité, c'est quelque chose voilà d'assez récurrent qui revient souvent pour nous. Donc, pour tout problème de fuite, c'est vraiment une marque qui peut t'accompagner, te réconforter avec trois couches d'absorption. Je crois que je l'avais pas précisé tout à l'heure. Les avis clients, vous pouvez venir checker, franchement, plein de personnes satisfaites. Ok, c'est bon, ils m'ont chauffé là. Ça fait 2 jours que j'entends des motos de partout. Et en fait, j'ai réalisé, c'est le salon de la moto ici à Lyon. Il y a des motos de partout. Donc moi, c'est l'occasion là, je vais sortir, je fais un petit tour avec la mienne. Pour la faire tourner, pour la faire rouler. Donc ça, c'est un petit baby, une sportive. Pour les filles, souvent, dès qu'on voit une moto, vous me dites, mais c'est trop bien, j'aimerais trop, ça doit être cool. Mais franchement, osez, c'est quelque chose qui vous plaît, etc. N'hésitez pas à oser. C'est pas plus difficile qu'autre chose. Une fois que t'as passé ton permis, puis les sensations, c'est agréable. Enfin, moi j'ai toujours aimé tout ce qui est grosse voiture, grosse moto, les moteurs, la puissance. Et dès que je suis dessus, c'est des sensations. Certes, c'est dangereux, etc. Il faut faire attention. Je la prends beaucoup moins depuis que j'ai mes enfants. Je roule aussi beaucoup moins vite, parce que je roulais assez vite. Mais voilà, en tout cas, oh, je vais faire un petit tour. Je vais vous allumer le bébé. Mais c'est vrai que moi, si je devrais choisir niveau passion, on va dire, c'est vrai que la moto, j'adore. Et les chevaux. C'est des choses que je ne vous montre pas souvent, hein, mais que j'aime. Et que j'apprécie beaucoup, beaucoup. Oh là là. Son petit bruit, on va laisser tourner. Et après, je vais partir faire ma petite balade. C'est génial. Là, c'est mon petit moment plaisir. Allez, let's go.